Lincoln, par ici. Le padre a pas trop l'air d'apprécier le plan. T'en fais pas pour lui. Ça me ferait chier de me prendre dans la gueule cette connerie de culpabilité catholique. Il est au courant de toutes les saloperies que j'ai pu faire dans ma putain de vie. Et il a jamais bavé. Si je dis qu'on peut lui faire confiance, c'est qu'on peut lui faire confiance. Ça me va. Bon, ça te ferait chier de me dire ce qu'on fout vraiment. On va buter Marcano et tous les salopards qui bossent pour lui. C'est des conneries. Si c'est tout ce que tu voulais, tu choperais un XM21 et tu te tartinerais de peinture de camouflage et tous ces connards seraient refroidis avant le dîner. T'aurais carrément pas besoin d'un centre tactique et de toutes ces autres merdes que tu m'as demandé. À mon retour, Marcano m'a offert Del Rey sur un plateau. Le vieux Samy a fait son temps, qu'il m'a dit. J'ai refusé. Alors d'après toi, tout ce qui est arrivé, c'est de ta faute. Les faits sont là. Qu'est-ce que tu croyais que ça allait faire? Organiser une petite fête pour Samy? Lui offrir une montre en or ou encore un trophée pour service rendu? On sait tous les deux que dans cette vie, il n'y a qu'une seule sortie. Et t'as toujours pas répondu à ma question. Je vais prendre le contrôle de la ville, quartier par quartier. Marcano voulait que je mène la danse à Del Rey. Qu'il aille se faire foutre. Quand j'en aurai fini, c'est toute la ville qui sera à ma pogne. C'est exactement ce que je voulais entendre. Condition, évidemment, que tu te sentes de taille. Et pourquoi pas? Oh, je sais pas. Peut-être parce que tu t'es fait tirer dans la gueule. J'ai peut-être perdu une case ou deux, mais ça finit toujours par revenir. Ça se passe toujours comme ça. Si c'est pas la putain de vérité, ça. Autre chose. C'est pas une grosse surprise, mais la plupart des flics sont à la botte de salle. Ouais, c'est ce que je me suis toujours dit. Je suis pragmatique. Si les flics te voient taper sur les sbires de salle, ils s'en prendront à toi. Ramène-toi ici! Ok, on va plutôt prendre cette voiture. Que je revienne te chercher? Non, mec, c'est bon. Je retourne au motel. Passe me voir quand tu seras prêt.
Bienvenue à la maison, fils. Et maintenant, qui veut se payer une bonne murge ? Arrête tes conneries. Sa caisse, c'est un monstre. Je veux que ce soit toi qui tue Del Rey. Et t'aurais pas dû dire non. C'est quoi ce bordel ? Je pense toujours que c'est une mauvaise idée. Le Vietnam, c'est une vraie boucherie. Je dois le faire, c'est tout. Je t'ai déjà dit comment j'avais eu ça. Ouais, tu l'as volé. C'est ça. Directement de la poche de ce vieux blanc qui venait tout le temps nous faire chier. Prends-la avec toi. Ça m'a toujours porté bonheur. Je peux pas faire ça. Je sais que tu te crois seul au monde, Lincoln. Mais c'est faux. Tu seras jamais seul.
C'est un vrai poste de commandement ici, dis donc. La clé pour pouvoir réussir une bonne opération clandestine, c'est le déni plausible. C'est pour ça que je me suis permis de voler tout ce matos au FBI. Si ça tourne mal, ce sera à eux de gérer les retombées. Toujours fidèle à toi-même, c'est bien. S'il y a bien une chose que je sais faire, c'est emmerder Hoover et sa brigade de gonzesses. Pendant que tu récupérais, j'ai fait quelques petites recherches. Je voulais voir s'il y avait un autre moyen de recruter des ressources locales. Je suis arrivé à 3 possibilités. Pour l'instant, ma priorité, c'est de me débarrasser de celui qui contrôle Del Rey. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Les Haïtiens ? Je croyais qu'ils étaient tombés quand j'ai refroidi Baka. Heureusement pour nous, ils sont de retour. Et il semblerait que ça leur plaise pas trop que ça, les données Del Rey au Dixie. Quoi, au Dixie ? C'était l'idée de Georgie. Il les laisse gérer l'héroïne en essayant de rendre tout le monde accro. Putain d'enfoiré. Plutôt crever que de laisser ces connards bousiller tout ce que Sammy a construit. Qui a remplacé Baka ? Inconnu. Il a réussi à garder le secret sur son identité. Inconnu ? Même pour John Donovan ? Ça, c'est une première. Eh, j'y peux rien, moi, si je suis né blanc comme un cul. Donc, en gros, je suis obligé de suivre un de ces Haïtiens en espérant qu'il me mène à ce fameux chef inconnu. Eh, c'est toujours mieux que rien. Une fois que t'auras gagné leur confiance, tu pourras revenir me voir. Je suis en train de terminer quelque chose qui t'intéressera.